Salutations YouTube, voici le classement. Après la première partie du pot zéro, c'est Xenon qui est en tête. Est-ce que Xenon peut enfin aller chercher sa première victoire? Peut-être. En plus, j'ai une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. La nouvelle est assez folle, mon cher YouTube. Xenon vient d'acheter le premier blind test. Parce que oui, avec vos points de chaîne que vous débloquez en regardant le stream, en participant aux événements, en participant aux prédictions comme celle là-haut, vous pouvez gagner des points de chaîne et acheter un blind test. Qui dit blind test dit musique à découvrir, bien sûr. Au plaisir de faire découvrir la musique. On va tester ça dès maintenant. Ce qui va se passer, très simple, Xenon, s'il trouve la musique, va remporter 5 points. Si quelqu'un d'autre que Xenon trouve une musique, il remportera 3 points sur le classement général. C'est aussi simple que ça. Est-ce que dans le chat, tout le monde a compris les règles? Est-ce que c'est clair? On va se mettre sur cette scène-là, vas-y. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il n'y aura qu'une musique, hein. Il n'y aura qu'une musique, ça se trouve, ça va se jouer en 3 secondes. Hein. Ça se trouve, ça va se jouer en 3 secondes, mesdames et messieurs. Je bois un peu d'eau. Et... Mais oui, c'est clair. Super. Super. S'il n'y a pas de réponse, je considère que tout le monde est prêt. La prochaine ligue est dans 3 minutes. Donc on a le temps de se lancer ça. Je vais vous préparer ça. Faites bien post-play. Ne jouez pas sur iPhone, petit conseil, parce que sur iPhone, il y a une latence d'une dizaine de secondes sur le stream, donc vous êtes foutus. C'est dead. Mettez ça sur le navigateur, sur votre ordi ou sur un Android. Non, vous serez dans les temps. Pareil, si vous regardez sur télé ou Chromecast, il y a une latence. Faites gaffe à ça. On va lancer, mesdames et messieurs. Celui qui me trouve le nom du jeu vidéo. En plus, là, pour le coup, c'est un petit coup de cœur, quoi, le premier. C'est un petit coup de cœur. Est-ce que vous l'avez, peut-être? Dès que Xenon me dit go, je lance la musique. C'est Xenon qui va me dire go. Vas-y, c'est Xenon qui me dit go. Il me dit vas-y. Et dès qu'il me dit go, on y va. Ok, on se fait ça? J'attends le go de Xenon et je lance la musique. Ça se trouve, il est plus là. Et on ne lancera jamais la musique. Et ça, c'est une dinguerie. Hein. Ça serait une dinguerie. Hein. Moi, c'est Xenon qui a payé, c'est Xenon qui lance la musique. Voilà, j'attends. On fait plus rien, voilà, on attend. Vous savez quoi, YouTube? Comment tu vas, YouTube, d'ailleurs, tu vois? Est-ce que tu m'as dit en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce tournoi? Est-ce que tu viendras participer le mois prochain? On t'attend. En plus, t'as le lien sur Twitch, tu peux venir sur Discord. Il a dit go, c'est parti! FSF! Incroyable, bien sûr. Eh oui. DuckTales, mesdames et messieurs. C'est pas vraiment la jungle, c'est Amazon. Musique de fou. Et il y avait un indice derrière vous. Vous l'avez peut-être pas vu. Mais si vous regardez juste là, derrière la Formule 1, vous aviez la réponse. Vous aviez la réponse, messieurs, dames. Quand je vous disais un petit coup de cœur, je vous mentais pas, vous voyez. La réponse était juste là. Et attendez, hein, parce que... Et en vrai... On peut pas montrer l'un sans montrer l'autre. Je trouve que j'ai laissé l'étiquette que j'ai acheté il y a 2 ans. Voilà. Petit coup de cœur personnel, cette musique. C'était important de la mettre. Je vais arrêter avant qu'ils mettent la prochaine musique. Ce serait dommage. Ça serait dommage. Messieurs, dames, FSF gagne 3 points. FSF gagne 3 points, messieurs, dames. Bravo à toi, mon cher FSF. Vous pouvez continuer, d'ailleurs, si vous le désirez, acheter d'autres blind tests. Ça ne nous a pas fait gagner, merci beaucoup. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à prendre d'autres blind tests qu'on lancera après cette prochaine coupe. Il vous reste un peu de temps pour voter. Est-ce qu'on aura 4 vainqueurs différents, mesdames et messieurs? Selon vous, dans cette prochaine ligue, oui ou non? Il vous reste 30 secondes pour miser. Il y a un petit peu plus sur le oui que sur le non, 51% à 49%. Enfin, c'est très serré. Et on va lancer la prochaine ligue. Ça va être quelle ligue? Ça va être une ligue assez hardcore puisqu'on part en ligue roi miroir. Peut-être la ligue la plus hardcore du jeu, je ne sais pas. Bah, mon père avait le jeunesse aussi. C'est pour ça que je suis très, très fan de ce jeu. Mon père avait le jeunesse. Fan des jeux d'enfance, un peu entre guillemets. Et je crois que j'ai encore la cartouche. J'ai plus de NES, mais je crois que j'ai la cartouche quelque part. J'adore cette ligue avec Stingray, mesdames et messieurs. Merde, s'il est l'heure! Where code, putain, je me fais engueuler. Le code, c'est 0852. 52.
Merci. 0852, mesdames et messieurs. C'est parti pour cette King Miroir, mesdames et messieurs. Alors que voilà, ça commence à rejoindre tranquillement. Ça rejoint la room directement. Et déjà 8 joueurs qui rejoignent directement. Stupid qui nous rejoint. Stupid, hein. Bien classé. On rappelle le classement. Vous l'avez vu en début de la vidéo, mais je le rappelle. Du coup, on est en tête. Xenon devant Omura. Nia. C'est aussi connu. Conny. 3ème position. GamePro. 4ème. FSF. En 5ème position. Alors qu'il joue sans boost. Et qui vient de gagner 3 points supplémentaires au classement. Hein. On rappelle, grâce au blind test. Vous pouvez acheter de blind test avec vos points de chaîne. Je rappelle, c'est de ce côté. Sur le petit bouton avec le Donkey Kong dans la pièce, vous avez vos points qui apparaissent. Si vous avez 2000 points, vous pouvez acheter un blind test. Si vous avez 8000 points, vous pouvez acheter des points gratos. 10 points. Et avec 15000 points, vous pouvez acheter 25 points gratos. N'hésitez pas, ça serait quelque chose de réussir. Air Guitar est là. Ouais, j'ai vu. Je crois qu'il y a Ryuji P qui a rejoint la seconde. Incroyable, mesdames et messieurs. On est parti pour la pire ligue pour moi, mais peut-être la meilleure pour d'autres. On rappelle qu'après cette coupe, on aura 2 courses de marble, encore une fois, mesdames et messieurs. Eh oui, ça va me régaler. Après, elle est plus longue, cette ligue. Est-ce qu'on aura, on sera à l'heure? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on fera qu'une course si on n'a pas le temps. Ce sera selon, bien entendu. Et on est parti. Mais les IA qui font leur départ, là, on est où? Oh, il y a Air Guitar. Air Guitar est trop fort. Hein. Est-ce qu'il va réussir à finir une course sans finir en contresens? Peut-être pas. Hein. On verra. Ah oui, c'est vrai, c'est cette ligue-là où on se met ici au départ. Voilà, là j'ai fait un bon départ en tout cas. Mute City 3-1, c'est particulier l'ambiance. Est-ce qu'on va réussir, vous pensez, ce coup-ci? Que j'ai joué hier, j'ai pas réussi à prendre une seule fois les... Voilà. On est loupé pas mal, mais c'est ok. C'est ok. On peut trouver... Il y a des gens en haut, what the fuck. Je sais qu'il y a une strat où on prend le premier boost, et après on va directement ici, mais... J'ai jamais train à la faire, donc je vais pas le tenter. En vrai, il y a un monde là, on est pas mal. Hein. Ah, dommage. Bon, j'ai les 3/4 de la barre remplie là. Si j'ai pas la Skytrack, je comprends pas. Hein. Après, je suis un peu loin. Hein. Ah, dommage. Ok. Ouais. Hop. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de tout ça? Bah, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'on est très loin. La Skytrack qui va être activée directement dans le dernier tour. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu? En légende peut-être? Oui. Ouais, mais en fait, je suis quand même derrière tout le monde. Je suis quand même derrière tout le monde. On finit 9ème et dernier. Je crois que je suis pas dernier quand même malgré tout. 4ème FSF, what the fuck? Moi aussi, tu fais péter un plomb, toi. Oh. Non, en fait, non, je perds, je gagne pas, je suis con. Je me dis merde, j'ai battu tout le monde! Mais non. Aïe. Qui a gagné la course? Oh, c'est GamePro. GamePro qui remporte toutes les premières courses. On rappelle la prédiction, c'est que les 4... Il y a 4 vainqueurs différents au moins dans cette ligue. Est-ce qu'on va encore y arriver? On a eu 5 vainqueurs à la première ligue, 4 vainqueurs à la seconde ligue. Qu'est-ce que ça va donner sur cette 3ème ligue, mesdames et messieurs? On va voir. GamePro, hein, le grand top 1 de la première course. Il adore les Mute City. C'est une dinguerie. Il a gagné tous les Mute City, les gars. Bon, j'ai pas regardé le classement où j'en étais. J'ai vu que je vois que Corgi est un peu derrière, apparemment. Faire un don. Pourquoi je ferais un don à LibreOffice? Je ne sais pas. Il paye 3 tickets pour aller voir Mute City. Il a raison. Quel génie. Pour moi, c'est maîtrisé. Hein.
peut pas dire que c'est de la luck, hein. Certains disent que c'est une map random, mais il gagne les 3. Hein. Donc bien joué à lui. Un joueur pro de Mute City. Oh putain, c'est circuit de merde, j'avais oublié. Oh, circuit CFF pour moi, les gars. Comme ça, la Ligue Miroir Roi, c'est un peu mon Némésis. Je l'ai mis, mais c'est un peu mon Némésis. Hein. Je vois, je booste alors qu'il y a un saut à prendre. Je l'oublie à chaque fois. Comment FSF peut être encore devant moi? Je pète un plomb. Il est trop fort. Ah oui, qu'il me dépasse. Hors de question que tu finisses devant moi, oui. T'as voulu me tuer en plus au début de la partie. Tout le monde s'en souvient, tout le monde t'a vu. T'as changé de véhicule, t'as début de son faute encore une fois. Tiens ça. Ah oui, qui s'est pris le bumper rouge. Ça, c'est dans mes données, dans mes veines. Hein. Non, mais on est 11 en fait. J'ai pas capté. 10 ou 11. On doit être 10. Je sais pas. C'est plaisir en tout cas. C'est bon, on est plus sensible au vent quand on est en l'air, c'est très perturbant. Ok. Le tour 4, on est pas trop mal niveau boost. Hein. Huitième, Ryu GP Legend qui finit la course. Et c'est GamePro qui va gagner enfin une course autre que Mute City. Bien joué. Le hit de Connie, il a fait quoi Connie? Oh j'ai battu Corgi Iaoui, let's go. Ah oui, il vient de crier hit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Xenon? Non. Xenon! En tête du classement général. Tu vises 3 rouges d'un coup. Oh non, ah oui. On est 8ème en général. On est devant Nia, Corgi. Xenon en tête du classement qui va sûrement perdre sa tête du coup. Hein. Peut-être il va falloir acheter des points bonus. N'hésitez pas à prendre des blind tests hein, dans le chat. N'hésitez pas à acheter des blind tests, bien sûr. Avec vos points de chaîne si vous en avez assez. Peut-être que je baisserai le prix après cette coupe. Si jamais je vois que c'est trop cher pour vous, qui sait. On peut réfléchir à cette idée. On peut réfléchir à cette idée de baisser le prix des blind tests. Ça se fait. En vrai, ça se tente. Et pas sûr hein, que je fasse. Hein. Donc on va acheter les maintenant. Hein. C'est vous qui l'achetez, vous avez plus de chances de trouver en fait, hein, tout simplement. Départ de fou? Qu'est-ce que je fous là? Je sais pas. Il y en a qui ont pris des cuts là, non? Oh, le CPU 32 KKO. Voilà, c'est pas dans mes veines ce qui se passe là par contre. Mmh. Vraiment, j'ai un manque de rythme. C'est très flagrant. Mère guitare, il triche! Je pense que le gars, il marchait plus. J'ai rien compris au jeu, moi, je crois. Y'a pas une règle qui dit que si tu quittes, tu peux tricher et gagner comme ça? Sur ce circuit? Enfin, sur le 1, surtout, je crois. Oh, le CPU, il est coincé. On est 9ème, hein, forcément. Après, si on finit la course, on prend des points.
Si on finit à la ligue, pardon, on prend des points. Ce serait important. Mais Air Guitar. Je croyais que c'était plus autorisé, moi, ce cut. Je comprends rien. Ça skycrack au-dessus de moi en plus. Mais alors que FSF est loin devant nous. Hein. Alors qu'il booste pas. Hein. Le boost est vraiment inutile. Oh, non, mais Guitar. Il est à côté de moi. On va voir d'où il ressort. Est-ce que c'est vraiment rentable? Non. Guitar qui troll. Hein. Qui gagne? Pas moi. Hein. Ah, on est assuré que c'est pas moi. Hein. Actuellement, c'est Xenon en tête, mais Xenon vient de crash sur cette ligue, donc il va sûrement perdre là. Corgi a essayé de me tuer. Hein. C'est Conny qui est mort! Quelque chose, ouais, ça déçoit. Les cuts de Porto ne sont pas rentables, non, clairement. Clairement. Oh, Corgi, ouais, qui m'a aidé. Et c'est Stupid, mesdames et messieurs, Stupid qui va prendre la première place. Let's go, Stupid. Il y a eu des morts par Corgi? On n'avait pas eu de mort par Air Guitar qui a fait 4 fois le skip qu'elle est chante. Oh là là, Air Guitar, le fameux. Et c'était Corgi qui a abandonné. Et on est loin dernier, hein. On est vraiment pas au niveau. Mais au moins on finit. Le plus important les gars, c'est de finir, prendre les points. Hein. J'ai pas vu Captain Gigi dans la room. Il y est ou pas? Peut-être qu'il est pas revenu. Pas dommage. Ouais, c'est ça. Ils l'ont nerf, ce qui est logique, hein. C'est pas très agréable comme cut. De manière globale pour le grand public, c'est pas cool, je trouve. Donc je comprends. Ah oui! Oh oui! FF hein! L'espoir s'appelle peut-être une skate track, mais tout le monde l'aura vu que c'est map de merde. Oh, il y en a un qui me spec. Salut. N'hésite pas à venir sur le stream, bien sûr, à t'abonner. Hein. D'ailleurs, vous saviez, les gars, que c'est September? Et très important, les gars. It's September, you can buy with promotion some sub on the live. Don't hesitate to follow the sub to the channel to support the event. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Il y a des réductions avec September actuellement. C'est moins cher. C'est moins cher et ça supporte la chaîne. Ça supporte la chaîne. Ça nous permet de créer plus d'événements comme ça, bien sûr. C'est grâce à vous, hein, si on peut faire tout ça. S'il n'y a pas de vous, il n'y a pas de tournoi. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et en plus, si vous êtes sub, vous gagnez plus de points de chaîne. J'ai envie de vous dire, voilà quoi. Au bout d'un moment... Oh oui, on voit des hockey. Je sais pas qui c'est, mais on t'aime. J'ai un rival devant moi qui a un ordi. Voilà. Est-ce que je le vis mal? Oui. Le sub est déductible des impôts, je suis pas sûr par contre. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, c'est va sur mon PayPal, quoi. Ça, c'est une info fiable, par contre. Je suis à 2 km de tout le monde. Hein. Je sais pas si vous réalisez un peu la course de merde. Hein. On remonte tranquillement. Ah si, il est là, Captain Gigi. Je crois que je l'ai vu. Bon, j'ai confondu. Stupid remporte la course. Stupid! Incroyable. Stupid qui va encore trouver 5 points, hein, mesdames et messieurs. Du coup, je suis désolé pour ceux qui ont prédit oui, mais nous n'aurons pas 4 vainqueurs différents sur cette ligue. Comment ça, 3ème FSF? Péter un plomb, mec. Péter un plomb. Air Guitar 2ème aussi. Hein. On bat, oui, let's go. On n'a pas eu de mort. On rappelle juste après, mesdames et messieurs,
le Marble on Stream, vous allez pouvoir rejoindre des courses de billes, c'est ouvert à tous. Et tenter, pourquoi pas, de marquer des points dans ce tournoi. Moi, ça me ferait trop rire que celui qui gagne le Marble, c'est un mec qui fait pas le tournoi. Et qu'il ait juste 10 points dans le fond du classement, sans jouer. Ce serait ma légende, quoi. Ce serait tellement une légende. Par contre, Firefield, on va pas rigoler, quoi. On va pas rigoler du tout, les gars. C'est Luigi. L-U-I-G-I. Remarquez que personne à bout sont me dépasser. Hein. Par contre, pourquoi je m'échappe par rapport à tout le monde, hein? Voilà. On va retrouver le pack. Bon, ça se bague, hein. Ça bague bien, les gars. C'est logique. Le but, c'est d'avoir une Skytrack. C'est à la Mario Kart, hein, pour le coup, la strat. Mais pourquoi je suis sixième, là? Personne veut avancer. C'est horrible. Qu'est-ce qui c'est par devant, là? Le mec est parti devant, par contre. Je te suis FSF. Je sais pas où faut l'activer de toute façon. J'ai paniqué. On est deuxième, mais bon. Je vous assure un truc, c'est que ça va pas durer. Hein. La rouge va me faire chier. Ah, super l'ambiance. Bloquez-moi le chemin, je vous dirai. Hein. FF. De front, non mais c'est horrible. Hein. Game Pro va gagner la course. Ça c'est une dinguerie par contre. Ou stupid. La guitare est là, il s'arrête. Hein. Remarquez, la guitare n'avance plus. Hein. La guitare il s'en bat les couilles. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Non, mais les hitbox dans le jeu aussi. Hein. Non, regardez-les bien, les Game Pro et stupid là. Ah je l'avais au bon endroit du coup. Ça me fait plaisir. Vous vous souvenez des pseudos, hein, Stupid Air Guitar et par guitare et Game Pro. Moi, victoire de Game Pro devant Air Guitar. Je vous spoil. Je vous spoil la. Oh, mais vas-y, la voiture rouge a plus vite que moi aussi. Ikari emporte la course. C'est Nia qui l'emporte. Bah, j'ai menti. Des gens qui jouent pas, hein. Des gens qui jouent pas dernière course. Hein. C'est Nia qui remporte la course, je crois, du coup. C'était Omura, ton pseudo avant, il me semble. Quatrième FSF, tu me fais péter un plomb, toi. J'en peux plus, toi. J'en peux plus. Hein. Bon, bah, on finit loin. Hein. On finit loin, les amis. Et surtout, bah, les cancres. Hein. Il y a les cancres là qui vont. J'avais cru lui dire, je me permets, hein. J'avais cru dire sur le Discord il y a pas longtemps que c'était ban ses comportements. Y'a pas un truc comme ça? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ah oh non, c'est Stupid qui a tué Xenon. C'est Stupid. Alors le classement général de la mission est 8ème, ça c'est pas plus important.
Incroyable. Déjà la prédiction, les amis, je suis désolé pour ceux qui ont voté oui, mais c'est non. Il n'y aura pas 4 différents vainqueurs sur ça. Je termine. Le Marble qui va décider, sûrement. Sûrement. GamePro, du coup, qui prend 60 points. De même pour Stupid, qui prend 60 points. Ça, c'est incroyable. En troisième position, et donc, du coup, pour combien de points, troisième, j'ai oublié. 45 points. 45 points pour FSF, j'ai envie de péter un plomb. Il marque 45. Hein. Et Ryu GP Legion pour son premier Grand Prix, qui marque aussi 45 points. Ensuite, nous avons Ikari Omura qui marque la pointe de la cinquième place. Nia, un peu plus loin, 35. 35 points pour Nia. Air Guitar, pareil, qui n'est pas encore marqué pour son premier GP, mesdames et messieurs. Le Marble qui peut tout décider, bien sûr. Et donc, il finit sixième, qui prend 30 points, Air Guitar, mesdames et messieurs. Ensuite, nous avons Aoi qui va marquer les 27 points, bien sûr. Pyro en 8ème place qui a marqué les 24 points. Ça, ça régale, hein. Ça, ça régale de ouf. Si je me trompe pas. 9ème, nous avons Connie qui marque 21. Connie, 21 points. Et ensuite, est-ce qu'on a encore des joueurs en dessous? Non, nous n'avons plus de joueurs. Et le classement général qui va se dessiner dès maintenant, mesdames et messieurs, avec un nouveau vainqueur en tête. Et oui, un nouveau vainqueur en tête du classement. Alors que ça discute de... des strates hein, douteuses qu'il y a eu. Il y a combien de temps, Marble? Il est 23h37, on a dit 40. 2 minutes. Hop. Les cancres qui ont des remords, ce serait un parjure. Ce serait un parjure, bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est le moment où on va lancer tout simplement le Marble, mesdames et messieurs. Les deux courses de Marble que vous allez pouvoir rejoindre, bien entendu. À n'en point douter. Si vous avez des musiques à mettre pendant le Marble, n'hésitez pas, bien entendu. Je rattrape Xenon classement, c'est possible. C'est possible, je vais faire un petit point classement. Vous voulez un point classement sur le stream? On va faire un petit point classement, oui. Hop, ouvrir le lien. Je vous affiche le classement quand même vite fait. Classement après 3 GP, c'est Omura. Nia qui prend la tête. Eh oui, Nia tout de même. 145 points devant GamePro avec 140. Xenon, Kozon Kaouk qui repasse 3ème avec 115 à 1 point de FSF qui ne joue. Je booste pas, on rappelle. Hein. Stupid 5ème, Connie 6ème. Ah oui, Pierrot. Puis ensuite Corgi, Captain Gigi, Ryu GP Legion et Air Guitar en dernière position. Mesdames et messieurs, c'est le moment. C'est le moment que vous attendez tous. Je rappelle pour le tube que je suis que des Skyway mais pas de boost. Oui, c'est ça. Que des Skyway, bien entendu. Et on part pour une petite course, les amis. Random. Ça a l'air incroyable. Vous allez pouvoir rejoindre avec point d'exclamation play dans le chat. Vous vous souvenez des règles. Join. Voilà, ici, parfait. Vous allez pouvoir rejoindre. Je peux pas me monter. J'ai pas un bouton pour me monter. Ah oui, qui va rejoindre. FSF qui va rejoindre la course. Bazooka. Bazooka, c'est... What is your name on the game? On F0. Allez, n'hésitez pas à rejoindre point d'exclamation play, mesdames et messieurs. Même si vous participez pas trop, hein, c'est ouvert à tous. Point d'exclamation play dans le chat. On est parti pour tenter de gagner 10 points, on rappelle. Allez, on a un peu plus de billes hein, qui rejoignent, ça fait plaisir. Et Magan qui va rejoindre le thème des casinos de Pokémon Diamant Perle. Allez, je te fais confiance, hein. Casino. Pokémon. Pokémon Diamant Casino Thème. Game Corner s'appelle. Ouais, j'ai. C'est quoi, fais voir. Ah oui, d'accord. Allez, ça me va. Adjugé. Adjugé. Les amis, vous êtes prêts? On part dans 10 secondes. Et on va pouvoir lancer cette course d'ici une dizaine de secondes. Qui, selon vous, va remporter cette course, mesdames et messieurs?
C'est parti dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et on est parti pour le départ. C'est le départ un petit peu en lenteur. On va voir qui va réussir à... J'aime tes goûts musicaux en tout cas, FSF, ça fait plaisir. Hein. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui, le départ de fou qu'elle a trouvé ! Alors que tout le monde est encore bloqué dans ce point de départ, c'est parti quand même. Ah oui, bonne avance directement pour la joueuse qui aurait mérité peut-être une victoire. Mais c'est compliqué pour l'instant. Attention, on se fait un peu coincé dans la boucle et c'est Pierrot Bazooka peut-être qui pourrait trouver des solutions peut-être. Alors que son ami est trop fort, hein, bien sûr. Tout le monde est coincé. Et Stupid ! Oh Stupid ! Incroyable, exceptionnel le passage qu'il vient de trouver. Ah oui, en seconde position. Stupid, oula. Oula, 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 oula. Au revoir, FSF. C'est la fin de la course. Stupid. Ah oui, non, mais c'est Stupid qui l'emporte. La course qui dure 45 secondes, mesdames et messieurs. Stupid qui va trouver des points supplémentaires. Aïe, 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 aïe. Nia deuxième, je suis troisième, bien entendu. Exceptionnel Stupid qui va trouver 10 points bonus dans ce marble, mesdames et messieurs. Stupid qui est pourtant ouais, le mieux classé qui va marquer des points marble. Ah non, c'est FSF pour l'instant. Et Stupid qui prend 10 points et qui du coup va passer 3ème au classement général. GG Stupid, on se fait une deuxième course tout de même. Ça serait dommage. Ça serait dommage de ne pas avoir une seconde course, mesdames et messieurs. Une seconde course qui s'annonce assez simpliste. Assez simpliste cette seconde course. Vous pouvez la rejoindre pour une exclamation play bien sûr dans le chat. Le cut de trop. Dommage, ah oui. Allez, je vous laisse rejoindre. D'ailleurs, n'hésitez pas à acheter des blind tests, messieurs dames, si vous voulez gagner des points bonus avec les musiques, si ça vous plaît, de découvrir des musiques que vous avez avec vos points de chaîne. Le petit DK avec des pièces, vous pouvez acheter des blind tests, voire des points bonus, carrément directement 10 points, voire 25 points bonus avec vos points de chaîne. N'hésitez pas à vous lancer, messieurs dames. On lance la course directement dans une dizaine de secondes. Et on est parti pour un départ qui va peut-être être fatal pour tout le monde. Hein. Un départ qui peut être très important. C'est Stupid peut-être le mieux placé, mais... Oh oui, les amis. Alors... Oh oui. Ah oui, elle nous fait tourner des départs de fou et après elle craque. C'est le problème d'Aoui. Ça, c'est le joueur Golden Fox, vous savez. Le joueur Golden Fox, il part devant et après, ils oublient la course. Et encore une fois, Aoui qui va prendre la tête. Je suis deuxième pour l'instant, juste derrière. C'est une course très simpliste. Normalement, il n'y a pas trop de possibilités de mourir, mais quand même. Mais quand même. Au revoir, Stupid. Stupid, dommage, hein, qui avait gagné la course juste après. Oh, ah oui. Oh non. Oh, il y a peut-être des moyens de mourir. Il y a peut-être des moyens de mourir, en fait. Il y a peut-être des embrouilles. Pierrot ? Magan ? Magan ! Le non-participant au F0 qui va peut-être aller chercher la victoire ! Xenon, au revoir. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain de merde. Oh, putain de merde. Oh non, Magan ? Magan ? Ça serait exceptionnel. Ça serait exceptionnel. Non, ah oui. Oh non, ah oui. Oh ah oui, dommage. Bazooka, what's your name on the game, Bazooka? C'est toi qui vas gagner la course, je pense, mon cher Bazooka Touf. C'est quoi ton nom sur le jeu, Bazooka? What's your name on F0, Bazooka? Let's go. Incroyable. Bazooka, what's your name on F0? Parce que sinon, je sais pas qui t'es. Vous savez qui c'est, les gars? Ou alors, sinon, je mets Bazooka 10 points. Incroyable, Bazooka. C'est qui, Bazooka? C'est Corgi? Ok. It's Corgi. Bon. Moi, je trouve ça triste d'arrêter là. Je trouve ça triste d'arrêter là. Et je pense qu'on peut s'en faire une petite dernière. C'est pas grave s'il y a trop de points. Moi, je pense c'est important d'en faire une petite d'air. T'as à quelle heure la prochaine? J'ai mis quelle heure la prochaine? Dans 5 minutes, c'est la merde.
qu'on va faire, les amis, on va faire un petit... comment on fait un sondage Next League. Parce que vous devez aussi choisir la prochaine ligue, mesdames et messieurs, je rappelle. Vous avez le choix entre la Mirror Knight League, Mirror Queen League ou King League. Et avec des décos, vous pouvez voter en plus. Hop, je vous mets ça sur 5 minutes. Vous pouvez choisir dans le sondage la prochaine ligue. N'hésitez pas à voter. Ça vous permettra de... Ça apparaît au-dessus de votre chat directement. N'hésitez pas à rejoindre. Dernière course, mesdames et messieurs, de Marble. Et votez pendant ce temps sur le sondage pour savoir quelle ligue nous faisons juste après, mesdames et messieurs. On est parti pour la dernière course. La musique me saoule. Allez, on met la prochaine qui apparaît automatiquement. Très bien. C'est parti pour l'instant. Gogesta ! Incroyable ! Qui va trouver le chemin ? Qui va trouver le chemin en premier ? Au revoir. T'es stupide en tête ? La musique colle bien en plus, c'est nickel. Ah, on a qui ? On a Aoi qui fait encore ? Aoi ! Aoi qui prend tout le temps les bons dés ! Aoi qui fait quoi ? Non, non, bah non. Bon bah, au revoir. Magan en tête pour l'instant. La musique, bien sûr. Magan en tête devant la guitare, Game Pro 3ème. Oh, quoique, je suis derrière sur une autre route. Hein. J'ai une route externe pour moi. La route de l'admin. La route de l'admin, terrible. N'hésitez pas à voter pour la prochaine ligue pendant ce temps dans le chat. Pour l'instant, c'est la Mirror Knight League qui est en tête. Et vous votez avec vos points de chaîne là pour avoir autant voté. Bref, n'hésitez pas à voter pour la prochaine ligue. N'hésitez pas aussi à acheter des blind tests si vous voulez plus de musique dans le chat. Devinez la prochaine musique. C'est qui en tête pour l'instant? C'est Stupid hein, qui a pris la tête. Et de Air Guitar qui va dépasser instantanément Stupid aussi. Air Guitar qui pourrait trouver des points surprise directement. Attention à pas se faire avoir ces petits piquants. On les esquive bien de la part des deux joueurs. Il y a GamePro juste à côté. Sur cette phase, peut-être ça pourrait tout jouer. Ça pourrait tout jouer qui? Magan? Magan GamePro? Magan GamePro peut-être? GamePro peut-être pour la victoire. GamePro peut-être pour trouver 10 points supplémentaires, mesdames et messieurs. C'est GamePro! GamePro qui va l'emporter. Oh, la guitare fait pas le dernier. Ça me rend trop triste. GamePro qui va remporter le dernier Marble, mesdames et messieurs. Et prendre les 10 points. Et prendre la tête du classement devant Nia, parce que le classement est chamboulé, mesdames et messieurs. Le classement est chamboulé. Bravo à tous, mesdames et messieurs. C'est la fin de Marble on Stream, mesdames et messieurs. On va pouvoir repasser directement. Attends, comment je coupe la musique? Voilà. J'ai plus l'écran devant moi, mais vous inquiétez pas, ça revient fort. Ça revient fort, mesdames et messieurs. Si vous voulez des blind tests, c'est le dernier moment. Vous pouvez encore miser, hein, voter, mais c'est Mirror Knight League pour l'instant qui est en tête. Le Mirror Knight League pour la prochaine ligue. J'ai voté 20 fois pour je sais même pas c'est quoi. Mais c'est Magan qui met tous ses points. Les viewers qui décident de la ligue, c'est exceptionnel. Ça me bute. Je rappelle, avec vos points de chaîne, vous pouvez payer des points bonus. Vous pouvez payer du blind test. N'hésitez pas, c'est le dernier instant pour le faire. Vous ne pourrez plus le faire après. Donc, pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est Magan l'humoriste, hein. Magan l'humoriste, les gars, hein. Offrez-lui un sub, hein, je pense. C'est septembre, les gars. Les amis. Personne votait, donc je me suis dit que personne voulait jouer ça. On va faire Silence Mirror avec Stingray. Donc je force la main. Bien vu! Bien vu, bien vu, bien vu. J'ai bien fait de mettre les points de chaîne, du coup, pour les votes, c'était rigolo. La prédiction, important aussi la prédiction, mesdames et messieurs. On va lancer, on sera un peu en retard pour la prochaine prédiction, mais vous inquiétez pas.
0. Qui va gagner, à votre avis, ce pot 0, mesdames et messieurs? C'est votre moment de voter. Est-ce que c'est Nia? Est-ce que c'est GamePro? Est-ce que c'est Xenon? Est-ce que c'est FSF? No boost. Vous pouvez miser maintenant, je vais vous mettre un sondage pendant 5 minutes. Hop, vous pouvez gagner des points de chaîne comme ça. Ah, la richesse. Non, mais Magan est très riche sur ce stream. Ouais, c'est ça comme les vrais riches. C'est vrai ce que tu dis. Vous pouvez miser sur le vainqueur du pot 0, Nia, GamePro, Xenon, FSF. Qui, selon vous, va gagner ce pot 0, mesdames et messieurs? C'est le dernier instant. Si vous voulez acheter des points, c'est le dernier instant. Si vous voulez acheter des blind tests, mesdames et messieurs, n'hésitez pas avec vos points de chaîne. Après, on n'en fera plus. On n'en fera plus, donc c'est le dernier instant. Si vous le voulez. Après, c'est finito. Hein. Après, c'est finito, messieurs, dames. Donc, c'est votre moment. Pourquoi j'ai pas le jeu? Il faut remettre le jeu. Le stream est professionnel, mesdames et messieurs, vous inquiétez pas. On maîtrise tout. 10 pièces sur moi, let's go. En tout cas, on a 1610 sur GamePro, 500 sur Nia. 0 sur Xenon. 2000 sur Xenon! J'ai rien dit. 2000, c'est le prix d'un blind test, hein, les gars. Adjugé, pas de blind test. Dommage. Ce sera pour la prochaine fois. Peut-être certains font des économies pour le pot 06, et là, c'est du génie. C'est du génie. Et si FSF gagne, par contre, bah, GG à lui. Eh merde, j'ai oublié de mettre Stupid alors qu'il était, pas... Il était devant au classement. J'ai pas mis Stupid. Il faut que je refasse, les gars, j'ai oublié Stupid. On annule. On annule, on refait. On annule, les gars. Désolé. J'ai oublié Stupid. J'ai oublié Stupid, c'est ma faute. Voilà, je vous ai lancé la prédiction avec plus de choix, du coup. Ça a été refait. Excusez-moi. L'erreur. L'erreur du débutant. Vous pouvez remiser maintenant, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, ça remise un peu de la même manière. 500 sur Nia, 1400 sur GamePro, 10 sur FSF. Les aléas du direct, bien sûr. Je suis pas streamer pro, moi, vous savez. Mais promis, si je deviens streamer pro, je ferai un stream de la même qualité qu'Étoile. C'est promis. Je promets. Bon, les amis, on va lancer la prochaine ligue, hein. Alors, donc on va avoir la Night Mirror League. C'est bien ça. Je vous laisse miser un petit peu là, la dernière prédiction. Peut-être. Les derniers blind tests peut-être. Non, pas de blind test. On n'adjuge aucun blind test, mesdames et messieurs. Nous allons lancer. On va bientôt lancer, bien sûr, mesdames et messieurs. Sur la Ligue à la Vimeur. À 55, je lance. Je lance à 55, mesdames et messieurs. Et on voit ça. On voit ça, messieurs, dames. La Ligue Cavalier Miroir. Il va commencer bientôt. Dans 30 secondes, bien sûr. Vous avez encore un petit peu de temps pour miser la prédiction. Qui gagnera, selon vous, le pot 0. N'hésitez pas à lancer les mises, messieurs, dames. Je vois que ça mise un peu partout. Et on est parti, peut-être, pour cette dernière ligue, c'est sûr. Et le dernier moment. Avec un mot de passe qui sera 17-17, messieurs, dames, pour la Ligue Cavalier Miroir. C'est parti! Il est 55. Le mot de passe est 17-17 pour la Night Mirror League, vous pouvez rejoindre directement, ça rejoint très très vite, mesdames et messieurs. Cette dernière ligue, qui remportera selon vous
se pose zéro, c'est maintenant. Et vous pouvez peut-être choisir votre vainqueur. Et peut-être que vous pouvez gagner. On est parti. En tout cas, j'espère que mon pose n'est pas le pire à regarder. C'est sûrement le pire du monde. Je pense que c'est le pire point de vue du monde à regarder, le mien. Il y a une réflexion qui peut se faire sur les prochaines où je ne joue plus et je caste juste. Je pense... Il y a une réflexion. Je sais pas comment on se met en... En caster, mais... Il y a un monde, hein. Il y a un monde, les gars. Là, vu mon niveau de jeu, hein, je ne suis pas sûr de rien. Mais en tout cas, JL, JL HF à tout le monde. Et on est parti pour le dernier, la ligue cavalier miroir qui a été votée par le chat. Ah bah, il gagne surtout, en fait, mais... tranquille. Il a mis toutes ses thunes pour ça, hein. Il a peut-être mis trop de thunes, d'ailleurs. Il a payé trop cher. Ça, c'est les riches qui payent 1 million une frite à la baraque à frites, quoi, tu vois. Et ouais, ils ont trop de thunes. Tenez. Cordialement. Allez, directement. Multity 1. Normalement, il y a moyen de performer ici. Le problème, c'est qu'on a une voiture. J'aurais dû prendre Blue Falcon pour le fun. Une aristocratie du web. T'es un peu l'aristo de ce stream, du coup, en fait. C'est ça que tu veux dire? T'es le bourge du stream? Je vais mettre un rôle bourgeois sur mon Discord. J'ai failli me SD, on est d'accord. Oh, stupid. C'est terrifiant ce qui lui est arrivé. Ah oui, qui est en Blue Falcon, tiens. C'est le choix que j'aurais dû suivre. Bon, no lap 2, les amis. Après, il y en a qui ferment les chaos derrière. Hein. Ça va remonter à la fin, vous inquiétez pas. Tu jettes des coins comme ça? C'est terrible. Oh, ah oui, qui s'est un peu loupé. Est-ce qu'on peut la dépasser? Troisième, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les deux devant ne veulent pas freiner là? Pour que je gagne? Let's go! Troisième les amis! Tchou! Alors peut-être! Qui c'est qui gagne? C'est GamePro qui a gagné la course encore une fois? Et c'est GamePro qui va encore gagner un Mutiti. Hein. GamePro a gagné tous les Mutiti. C'est GamePro a gagné tous les Mutiti, pardon. C'est ouf. Incroyable, incroyable. Hein. GamePro incroyable. Hein. C'est vrai que nous on a fait notre premier podium par contre. Hein. On a été chercher un podium, pas d'erreur. Hein. Pas d'erreur. Hein. I guess yeah. Incroyable, mesdames et messieurs. Nia qui a pas farmé les KO, tiens. Elle fait deuxième. Xenon 13, par contre, ça fait peur. Bon, par contre, les gars, c'est profiter, ça va pas durer. Hein. Ça ne va clairement pas durer. Are you having? Have you got? Non. Allez, on est parti, les amis, deuxième course. Est-ce qu'on peut refaire le même départ? En vrai, le problème, c'est que la Skytrack est un peu plus forte en ce circuit, je crois. GamePro, Aoi en tête.
au pays de 4ème. Qui m'a dépassé, donc qui prend la 3ème place. C'est moi 4ème maintenant. Stupid qui s'est un peu loupé sur ce virage. Ça va quand même. Par contre, c'est un peu loupé, Stupid. Donc on va boost ici. Oh, genre, tu me caches la caméra un peu stupide là. On va booster pour perdre de speed. Par contre je vois le monde derrière moi, j'ai peur. Hein. Je vous spoil. C'est Corgi qui me dépasse. Oh c'est FF la course. Corgi il va avoir une Skytrack Lab 4 en plus, il a gagné la course. Mon call c'est Corgi gagne la course. Hein. On en parle à la fin de la course. Ouais, ça commence à se carrer au-dessus que moi. Et ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont sûrement plus de boost que moi, tu vois. Ah, c'est FSF, tiens. On s'en fout un peu de son boost, en effet. Dégagez. Dernier tour, les amis. Oh, Game Pro qui s'est un peu loupé. Ah oui, qui fait deuxième pour l'instant, what the fuck? Ah oui! Let's go, troisième encore une fois! Mais ah oui, qui est morte! Oh, ça me terrifie! Double podium, mesdames et messieurs! Chou! Alors peut-être. Bon, j'avais dit qui gagnait? Souvenez-moi. Hein. Souvenez mon call de toujours avant là? C'est Corgi hein, qui gagne, bien sûr. Je vous l'avais dit. Hein. Oh là 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 là, encore une troisième place! Let's go! On est en train de faire notre ligue. Oh les gars, on est en train de détruire la ligue, là, je vous le dis. Deuxième au général. Le stress du front run. Ah, ça me terrifie pour toi, ma pauvre. Regardez le niveau des gens que j'affronte. S37, S39, S40, S37. Mesdames et messieurs, troisième course. Ça va être plus dur, je pense, là, sur Sun Ocean. Je pense que je vais prendre plus de retard. C'est une map où on peut avoir une Skytrack, par contre. Donc, à voir comment ça se passe. Je vais me l'écraser long, j'ai trop mal. Let's go. Ok. C'est un Sun Ocean avec des Zia en tête. Game Pro toujours un départ de fou. Hein. En Golden Fox forcément. Je peux se le permettre. En tout cas, on fait une belle ligue pour l'instant. On va voir comment ça va durer. Avec Xenon qu'on n'a pas trop vu, qui est un peu en galère, hein, j'ai l'impression. Bon là par contre, on sent mais ma différence de niveau, quoi. Je prends la petite pêche, hein. Ça fait plaisir. Non, en vrai, c'est que je l'aurais même pas, la Skytrack. Ça suffira pas, on est d'accord, hein. Une 4 boules comme ça. Par contre, faudrait peut-être que je ramasse celle qui tombe au sol, quoi. Pas mal sapion. Ok. Après c'est pas grave, c'est un petit boost. On est quatrième pour l'instant tout de même. Est-ce que ce serait pas grâce à Magan que je fais une belle ligue au final? Peut-être que Magan m'a offert cette ligue, hein. Vous en rendez pas compte encore. En plus, je vais pouvoir finir devant Aoui au classement général, peut-être. Et ça, ça me régale. Ouais, MK, ça manque un petit peu. Après, je me regarde. Bah, du coup, nous, on en fait encore un peu. Hein, mais c'est vrai que quand il y aura le nouveau Mario Kart, on va le doser. Hein. Il sera sur la prochaine console, quoi.
FSF n'a pas utilisé de boost, est devant moi actuellement et à InSkyTrack. Envie de crever? Oui, sûrement. On fera pas mieux que 5, donc autant jouer... Dis-moi MK9, ouais, bah ouais, carrément. Ou MK, peu importe le nom. Hein. Et un nouveau dans la carte, ce serait cool. FSF 3ème, excuse-nous. Hein. T'es un peu trop fort, c'est peut-être ça le problème. Mais je bats aucun de mes rivales alors que je fais 5ème ? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie qui gagne la course. C'est Corgi qui gagne la course, encore une fois. Corgi en tête, qui pourrait... Ça va resserrer le classement. Oh, ça va être tellement serré à la fin. Aïe, 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 aïe. Vous savez que classement général, pour l'instant, GamePro est en tête, du coup, avec 10 points d'avance grâce au Marble. S'il n'avait pas eu le point du Marble, ils étaient à égalité. C'est une dinguerie, hein. Nia pourrait perdre à cause du Marble. D'ailleurs, Nia est out. J'ai pas fait gaffe. C'est pour ça que je fais 5ème. What the fuck. C'est ultra serré le classement, je l'ai en live devant moi, vu que je le mets à jour à chaque win. C'est ultra serré. Ça fait flipper. Hein. Bon, normalement sur ce circuit, on a deux Skytrack. Si on merde pas. Xenon, tiens. On n'est pas encore trop vu depuis tout à l'heure. Comment je peux lutter face à des mecs qui ont du boost de partout? Comment l'autre a une Skytrack déjà liée à la con, hein? Oui, canné. GamePro, je peux pas lutter contre. Personne n'a rien vu. Hein. De toute façon, vous regardez pas ce live. Bon, les bleus vont nous faire chier là. Le problème, c'est que là, du coup, est-ce que je vais avoir une Skytrack? Ah, bah, peut-être pas. Hein. Peut-être que j'aurai plus de Skytrack après. Hein. GamePro, waouh. GamePro et Corgi et une Skytrack sont devant moi. Le niveau des joueurs, c'est assez effrayant. Alors qu'FSF, sans boost sur Deathwing 1, va plus vite que moi. Parlons-en. Je viens de faire quoi là? J'ai failli détester l'IA. Ça va être le pire IA de l'histoire. Corgi remporte la course, what the fuck? Corgi remporte encore la course. Corgi qui va sûrement gagner le Grand Prix du coup. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez acheter un blind test, c'est le dernier moment. Hein. Je peux vous laisser un moment. D'ailleurs les Chiran Beats aussi ont des promos. N'hésitez pas, ça vaut le coup. C'est PU12, il voulait du sang, mais grave. Il m'a détesté. Ah bah c'est finito pour moi. Ça ne pouvait pas durer la mascarade, mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Bon, la strat, c'est trouver la Skytrack, là, mais pas être trop loin en même temps. C'est compliqué, hein. On n'a pas du Nia aussi sur Big Blue, hein. Est-ce que la strat au départ, c'est pas de faire ça?
Poupi-pou. Ok. Vous l'avez vu ce qu'il a fait, hein. Vous avez vu la haine qu'il a mis dans ce qu'il a fait, hein. Tout. Xenon devant moi. On est bien niveau boost. Hein. Xenon, c'est un peu loupé là. Oh, j'ai dépassé FSF, let's go! Quatrième! Et Xenon, c'était horrible pour toi, j'avoue, cette coupe a été compliquée. Hein. Let's go! On va le chercher, j'ai boosté alors qu'il a pas boost. Voilà, mon dépassement. Hein. T'es mal à la gueule du dépassement. Ça, c'est l'expérience Formule 1, les gars. C'est Stupid qui remporte la dernière course, mesdames et messieurs. Stupid, bien sûr, qui va marquer 5 points. Corgi qui fait 2, qui va sûrement gagner la Ligue. Merci, ah oui. J'ai fini la course, je prends des points. Et ça, ça régale de ouf. Ça régale de ouf, parce que ça va faire du bien au classement général, mesdames et messieurs. On va arriver à la fin de ce tournoi. Si vous voulez un dernier blind test, c'est maintenant. Sinon, on coupe ce tournoi, mesdames et messieurs. Ce sera la fin de celui-ci. Une fois que j'ai fini, je mettrai à jour le classement. Donc c'est votre dernier moment, si vous voulez, des points bonus, mesdames et messieurs. On finit quatrième au général, incroyable! Corgi comme prévu qui prend la première place, 60 points pour Corgi. Bravo à toi. Deuxième, nous avons Game Pro, bien entendu, qui prend 50 points. Troisième, Stupid, qui va en prendre 45. Pierrot qui va prendre 40, incroyable. J'ai jamais fait autant de points, faut zéro, je crois. J'ai jamais... Alors que FSF, Francy, 40 points, il a fait égalité avec moi, c'est incroyable. J'ai fait égalité avec un mec qui joue sans boost. Hein. Xenon 6ème, un peu plus compliqué, c'est 30 points je crois, 6ème place. C'est ça, 30 points pour Xenon, malheureusement, c'est plus compliqué. Plus compliqué. La fête d'année, j'ai pas la FSF, c'est pour ça, ok, ça explique beaucoup de choses. Et c'est tous ceux qui ont fini. Tous ceux qui ont fini, messieurs, dames, c'est la fin de ce tournoi. J'espère que vous avez passé un bon moment dans tous les cas. Je vais vous partager le classement dans pas longtemps, il est insane. Je pense que vous savez qui a gagné. En vrai de vrai. Je pense que vous savez qui a gagné. Vous le savez très bien qui a gagné le tournoi. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Didi Hall, bien sûr, je mets d'abord. Here's the final ranking. Je le mets d'abord sur Discord. Mesdames et messieurs. Et je vais vous l'afficher. Ouvrir le lien, hop. Et le classement général. Bon, on va le faire comme ça. Ça va être dégueulasse, mais tranquille. Hop là, pour pas que vous voyez le top 3. Mesdames et messieurs, dernière position, nous avons Air Guitar avec 30 points. Ryu GP Legend qui en marquera 45, finira 11e au général. Captain Gigi qu'on a vu un soir un GP, 60 points. 10e, ah oui, 9e position avec 84 points. Je pense que c'est mon record, mais 104 points, 8ème place. Ah, 1 point! 1 point! From Connie, 105. Corgi, 125 avec une victoire au dernier GP exceptionnel. Xenon finit du coup 4ème égalité avec Nia. Et oui, ni Nia, ni Xenon gagnent sur ce Grand Prix, mesdames et messieurs. 3ème position, nous avons FSF qui a joué sans booster une seule fois et qui finit, mesdames et messieurs, en 3ème position. J'ai envie de le tarter. Rendez-vous compte le génie et le niveau de ce joueur. Il n'a pas boost une seule fois, il n'a fait que les Skyway. Et pourtant, il finit 3ème au classement général. En 2ème position, nous avons, à votre avis, le chat, qui arrive en 2ème position. Vous l'avez peut-être vu sur Discord pour certains. Ça va être Stupid! At the second position, Stupid. Congratulations.
Et bien sûr, la victoire pour Game Bro de 95-95-205 points. Congratulations, Game Pro. What a victory. Bravo, Game Pro, pour la victoire et cette première position exceptionnelle. GG Game Pro. GG à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé un petit peu ces nouveautés. Les courses de marble. Bon, les courses de marble, ça a un petit peu foutu le bordel. C'était rigolo. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas impacté le classement final tant que ça. Donc ça va. J'ai envie de dire, c'est correct. GamePro comme stupide ont tous les deux gagné une course de marble. FSF a gagné. Tout le top 3 a gagné une course de marble. Après, il y a moi et Captain Gigi aussi qui ont gagné une course de marble. Voilà, concrètement. Donc, et Captain Gigi a gagné une course. Alors qu'il n'est pas venu. Non, j'étais pas Captain Gigi qui a gagné la course aussi. Qui a gagné. Course de marble, c'est pas Captain Gigi. Il y avait qui a gagné? Il y a une merde dans le classement, les gars. Il y a une merde dans le classement, je suis sûr. Souvenez-vous qui a gagné le marble? Bon, on s'en fout, ça jouera pas le vainqueur. C'était... D'accord, j'ai GamePro, Stupid. Ah, Corgi avait gagné? Ouais, c'est ça, il y a une erreur là. Hop. Donc on corrige. Bon, ça change pas le classement, hein. Corgi reste de 6ème position, ça change rien. Ça change pas grand chose. Au classement, ça ne le change même pas, le classement, très honnêtement. GG à tous. Voilà, je vous montre le classement final réel si vous voulez le voir. Que je vous dise pas de bêtises. Hop, voici le classement réel YouTube. J'espère que t'as aimé cette VOD. Victoire du coup de Game Pro avec 205 points. N'hésite pas toi aussi à venir la prochaine fois participer avec nous, ça fera grave plaisir. C'est ouvert à tous, tout niveau. On est là pour s'amuser. Tu vois, j'ai pas de niveau et pourtant, on se bat quand on finit des courses. On arrive à marquer des points. Des bisous. À la prochaine, mon cher YouTube. Mets un pouce bleu, tout ça, je t'adore.